On voit qu'il y a quelques petites différences. Par exemple, là, sur la liste principale, on a 951 personnes inscrites au bureau 1. Et là, sur les données de la mairie, on n'en a que 947. C'est devenu le casse-tête quotidien des services de cette mairie depuis plus de 3 semaines. Un bug du logiciel pour éditer les listes électorales. Des citoyens ont été mal inscrits sous un nom mal orthographié ou sous le mauvais sexe. D'autres n'ont tout simplement pas été répertoriés. La mairie a dû trouver une solution en urgence. On a traité beaucoup de données sur des personnes qui étaient, des femmes qui étaient devenues des hommes, le F et le petit M. Donc moi j'ai traité, j'ai appelé l'assistance, mais ils ont mis des répondeurs, c'était compliqué. On a repris les listes, nom par nom, un par un, 3600, on les a relues, on les a réinfectées. Et je pense que là on devrait être bon. À l'origine de ce problème, une simple erreur de synchronisation entre deux logiciels. Celui de la mairie d'une part, et d'autre part le logiciel national, le tout nouveau répertoire électoral unique. Quand les noms, prénoms, âge ou sexe des citoyens ne concordent pas, impossible d'établir les cartes électorales, un bug intolérable pour le maire de la commune. Je m'attends certainement à me dire, monsieur le maire, vous avez mal fait votre boulot, alors que finalement avant ça se passait bien, et qu'aujourd'hui c'est l'État via l'INSEE, qui est rattaché à Bercy, qui nous demande de tout centraliser les données. Je ne suis pas en colère, mais c'est une loi qui a dû être votée en 2016, donc aujourd'hui elle arrive, et tous les élus que nous sommes, finalement, on n'a pas tous des services et des services. Au total, une vingtaine d'anomalies ont été identifiées, mais les citoyens restent confiants malgré les soucis de carte électorale. Ça m'inquiète parce que de toute façon j'ai toujours voté, donc je fais mon devoir de citoyen. Donc il faudra peut-être faire preuve de souplesse. Je pense que la dernière était bien conforme et que ça aurait été relativement un scandale si j'avais pas pu voter. La mairie assure avoir trouvé une solution pour la moitié des erreurs. Les autres devront se rendre au tribunal pour éditer leur carte électorale ou simplement se munir de leur pièce d'identité pour pouvoir voter dimanche.